Et salut à tous les gars, c'est Mofu et aujourd'hui, nouvelle boutique sur Fortnite. Les gars, il est 1h du matin, qui dit 1h du matin, qui dit nouvelle boutique. Et qui dit nouvelle boutique, et qui dit bah des fois nouveau skin. Et là les gars, on a de nouveaux skins, nouvelles pioches. Donc voilà, il y a deux nouvelles pioches. Il y a peut-être 5 nouvelles pioches. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je vous invite les gars à lâcher un petit like, vous abonner, vous connaissez les bails. Donc c'est parti sans plus attendre les gars. Aussi, vous pouvez avoir de skins gratuitement, puisque là, ça vaut vraiment le coup. Parce que pour le coup, vous avez un skin gratuit, mais vous pouvez l'améliorer. Donc en gros, ça fait comme si vous avez 4 skins gratuits. Donc ça, c'est hyper stylé. Donc pour avoir le skin gratuit les gars, c'est super simple, vous abonnez à la chaîne YouTube en priorité car sinon ça comptera pas dans le logiciel. Vous mettez un petit j'aime, comme ça aussi le logiciel verra que vous avez mis le j'aime. Donc voilà, comme ça au moins si on atteint les 150 petits j'aime, vous avez le skin gratuit. Donc comme je vous dis encore les gars, c'est pas du fake, vous avez 48 heures, si on les a, vous avez le skin gratuit. Si on les a pas, ce sera une autre vidéo, voilà, chaque fois je me justifie. Je vous dis la vérité, pourquoi faire du fake, ça sert à rien du tout. Donc voilà, c'est parti les gars, nouveau skin sur Fortnite, il s'appelle Bestio. Franchement il est stylé, mais le skin il est vraiment trop gros. Après il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais là le skin on dirait un peu que c'est le gros José en mode beau gosse, tu vois. Voilà, le skin il est quand même assez imposant. Mais pour celui qui aime bien faire une petite collection sur Fortnite tout ça, ou alors jouer avec des skins comme ça qui s'en bat les couilles de perdre ou quoi. Mais là gros tu te prends une tête direct. On va dire que le skin comme la tête elle est assez grosse. Donc voilà, après c'est comme tu veux, voilà. Ensuite on a le petit sac à dos, voilà le petit moteur qui est stylé quand même. Les flammes, tout ça, c'est hyper stylé. Je vais vous dire, franchement, c'est bizarre qu'ils l'ont pas mis à 2000 V-Bucks. Parce que quand vous regardez bien, vous avez le skin, le petit sac à dos. Et quand vous appuyez là, vous avez comme ce skin là qui est vraiment stylé. Donc là, quand même, vous avez un skin, vous payez 1005 et vous avez 4 skins dedans. C'est comme les joueurs de foot. Quand vous avez acheté le joueur de foot, vous avez une trentaine de skins dedans. Ça, c'est hyper stylé quand ils font ça. Et en gros, voilà, au mieux de. Parce qu'ils auraient pu mettre les différents skins et les faire payer, tu vois, pas 800 V-Bucks. Ça aurait été comptabilisé, voilà, ils auraient plus d'argent, mais bon, après c'est comme ils veulent. Donc voilà, le skin est comme ça, il est plutôt stylé aussi. Après, on a celui-là qui est plutôt pas mal non plus. Voilà, le petit chien comme ça, en mode beau gosse, avec la petite antenne sous la tête, tout ça. On a celui-là qui est plutôt pas mal non plus. On dirait un petit ours ou un petit truc comme ça. On dirait un peu les figurines chinoises là. Donc voilà quoi, les 4 skins hyper stylés. Ensuite les gars, les petits moteurs, on a ce moteur là comme ça qui va avec le premier, celui là qui va avec le deuxième qui est plutôt pas mal non plus, celui là avec le troisième et celui là avec le quatrième les gars, pareil le petit moteur tout ça c'est assez stylé quand même. Ensuite les gars, on a les petites pioches, voilà aussi qui sont vraiment stylées aussi, là c'est pareil, vous payez une pioche à 1002 et en gros vous en avez 4 dedans, donc ça c'est plutôt stylé aussi, ça fait comme si vous avez un petit pack avec 4 pioches, voilà pour ceux qui n'ont pas forcément de pioches, voilà tu payes presque 15€, t'as 4 pioches quand même, donc voilà GG à eux. Donc c'est parti, on va voir déjà la première. Dans le son, on va se cacher, on va pas se cacher, il est un peu dégueulasse, mais après ça va, il passe bien. Ensuite on a celle-là qui est plutôt stylée aussi. J'aime bien celle-là avec le moteur qui roule dedans. On a celle-là aussi qui est plutôt pas mal non plus avec les petites griffes. Et la quatrième, c'est celle-là les gars, elle est vraiment stylée aussi. Voilà, dites-moi en commentaire laquelle de pioche que vous préférez le plus. Et pareil le skin, lequel le skin vous préférez le plus. Et voilà, si vous voulez participer au petit truc, après même que vous n'êtes pas forcément participé, tout ça, vous l'achetez directement, mais voilà. Ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, rien, voilà, vous dites-moi si vous voulez participer ou quoi. Ensuite, les planeurs les gars, c'est pareil, vous achetez un planeur 800, vous en avez 4 dedans. Donc c'est stylé aussi, les aperçus, c'est ceux-là, ceux-là. Plutôt pas mal non plus. On a celui-là. Et pour finir, le quatrième, c'est celui-là. Assez stylé aussi. Ensuite, on a les petites danses qui font leur retour, les gars. Assez stylé. La deuxième danse, les gars, je sais pas si certaines personnes l'ont vu. Moi, j'avais jamais vu cette danse-là. Elle est hyper stylée celle-là. Ensuite, le petit skin chauffard, les gars, qui fait son retour aussi. Franchement, celui-là, il y a pas mal de gens qui l'ont acheté. Et si vous avez 800 V-Bucks, les gars, je vous conseille vraiment parce que c'est un skin qui est vraiment très très bien, très très fin. Et aussi, c'est un skin triard en fait. Voilà, il est plutôt pas mal. Ensuite, on a la nouvelle pioche, voilà, 800 V-Bucks.
c'est pareil, ça, je l'aurais mis plutôt à 500 parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez grosse, imposante. Et voilà, qu'on a déjà eu des pioches un peu plus belles et qui coûtaient que 500 bucks. Surtout par exemple la petite accordéon qui est plutôt pas mal et qu'on a payé que 500 alors que celle-là, la 800, elle est pas ouf. Ensuite, on a le petit skin, les gars, As du volant, voilà, qui fait son retour aussi, qui est plutôt pas mal, le petit José en mode beau gosse. Le tatouage, il fait toujours aussi délirer. Il fait penser un peu à Saw, quoi, le film d'action, là. Bah, plutôt le film de meurtre, là. Film d'horreur. Et le dernier, les gars, le petit planeur, voilà. Facochère. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne YouTube, voilà, qui est dans la description. Ou alors vous allez directement voir dans à propos et vous allez directement la trouver. Voilà, comme ça je fais des petites vidéos là-bas. Si vous voulez participer dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit commentaire avec votre PSN pour savoir si vous voulez participer à faire des petits combats, tout ça. Et aussi, mes vidéos vont sortir pour vous montrer mes différents octogones, voilà, que j'ai créés. J'ai pris presque une semaine à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je pense que je suis le premier à faire des petites vidéos comme ça. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on se dit ciao, ciao, les gars, pour mes vidéos. Tiens, moi, portez-vous bien.